Ok, super. Bon, voilà, normalement, je suis en direct. Tu me vois? À tout à l'heure. Bisous. Bonsoir, je vois encore que Thierry. On va attendre un petit peu, hein. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien. Je vais peut-être avancer un tout petit peu. Voilà, comme ça. Pour le garage. Anne, salut Anne. Rigolo de vous voir. Enfin, de ne pas vous voir, justement. C'est ça qui est perturbant. Je fais ça devant mon écran et je ne vois personne. Coucou. Salut Sophie. Chouette. Alors, je vous explique un peu. Donc, ce soir, on va faire des mouvements un peu plus complets que les macros. Donc, je vais rajouter quelques mouvements toujours créés par Maître Masunaga. Et donc, ce sont des mouvements qui seront à rajouter, à faire toujours pour venir stimuler certains éléments. Et donc, on ne va pas travailler tous les éléments, mais on va travailler principalement tous les éléments qui pour moi sont importants dans la période qu'on traverse. Alors, on va travailler la terre, on va travailler le métal, le feu et l'eau. Ça va? Coucou Ève! Salut Sylvie! Ah voilà, ça commence à venir. Donc voilà, je disais donc que nous allons étoffer un peu nos macos habituels et on va donc rajouter quelques mouvements. Donc ça risque de durer un petit peu plus que les 20 minutes, 30 minutes. Voilà. Alors, ben avant de commencer, ben on va toujours prendre quelques respirations. Donc vous pouvez vous placer. En position de César, avec les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et prendre un petit moment pour respirer, pour se recentrer après les activités de la journée. Donc ce soir, je vais vous inviter à faire des respirations sur les trois niveaux. Donc on va venir d'abord inspirer en gonflant l'abdomen. Ensuite, on va faire passer notre inspire au niveau des côtes, au niveau costal. Et ensuite, on va venir respirer au niveau des poumons. Ça va donc. Pour l'expire, c'est la même chose. On expire d'abord au niveau du ventre, des côtes et puis des poumons. Respiration pour activer les trois foyers, vu que c'est un méridien qu'on ne va pas vraiment travailler ce soir. Donc sentez bien l'air qui gonfle le ventre. Cet air va passer ici au niveau des côtes. Et ensuite, terminer par une respiration vraiment au niveau pulmonaire. Et puis vous expirez par le ventre.
rétrécissez la poitrine et vous rétrécissez les épaules. On refait encore. Encore une fois. Alors, on va venir se mettre debout. Pour commencer avec les premiers mouvements. Alors, pour vérifier que je vais descendre un petit peu, non, remonter un tout petit peu, voilà, l'ordinateur. Voilà, super, je crois que comme ça, tout le monde le voit bien. Alors, on va simplement venir croiser ici les doigts. On ne va pas mettre les pouces aujourd'hui, on va simplement croiser les mains dans le dos et en ayant. Comme on a l'habitude, les pieds bien ancrés au sol, un peu rentrés vers l'avant. On va à ce moment-là descendre le tronc vers l'avant et on va respirer. Donc ça, c'est notre macro du poumon du gros intestin. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Vous pouvez fléchir un peu les jambes. Vous pouvez vous redresser et on va passer au deuxième mouvement, toujours pour travailler le poumon et le gros intestin. Alors, vous allez vous placer sur une jambe avec les bras. Je sais que on voit bien sans que je tape partout. Donc, les deux bras en haut et une des deux jambes soulevées. D'accord? Donc, vous imaginez que vous êtes un oiseau qui vole. Et vous allez inspirer. Et sur l'expire, vous ramenez le corps comme il était à la base. On va faire la même chose sur l'autre jambe. Allongez bien le corps. Vous tirez bien sur vos ailes et votre queue. Et vous ramenez. On va le faire encore une fois. On inspire. On souffle. Inspirez. Encore. Bien tirer le corps, étendre et ramener. Encore une fois. Bien tirer. Et on revient. Alors, toujours pour poumon, gros intestin,
On va venir écarter les jambes, pas trop, hein, un peu plus large que la largeur des épaules. Et on va aussi étendre les bras, à peu près comme si vous cherchiez à faire un X avec vos bras et vos jambes. Et dans cette position, vous allez tirer sur la tête, enfin, juste laisser tomber la tête vers l'arrière. Et vous allez respirer. Vous sentez qu'il n'y a pas assez d'étirement au niveau des jambes, vous pouvez ouvrir encore un petit peu plus. Et essayez vraiment de creuser au niveau de la colonne. Et respirez. L'idéal, ce serait même d'avoir une sorte de bâton au-dessus, si vous avez une poutre chez vous, et vous pouvez venir poser vos mains dessus et tirer. Ok, super, on va relâcher. Donc ici, on avait travaillé les deux méridiens, poumon et gros intestin. Maintenant, on va travailler uniquement le poumon. Alors, pour ce mouvement-là, vous allez simplement avancer un pied devant. Je me mettrai comme ceci. Et vous allez croiser vos doigts dans la nuque. Et vous allez tourner le tronc du côté de la jambe qui est fléchie, comme ceci. Okay? Pour vérifier. Donc, ce qu'on va simplement faire dans un premier temps, c'est vérifier quel côté est le plus facile pour vous. Donc, vous allez tourner le tronc vers l'extérieur. Et puis, vous changez de jambe. Vous faites l'autre côté, toujours avec les bras la même position, mais là vous tournez évidemment de l'autre côté et vous regardez, tiens, quel est le côté qui est le plus raide chez moi, lequel est le plus facile? Chez moi, c'est le côté droit. Donc je vais commencer du côté le plus facile. Okay? Alors ici, le mouvement, vous allez regarder avec le regard dirigé dans le coin, donc vers le plafond dans le coin. Vous pouvez fléchir un petit peu la jambe à l'avant. On inspire, on souffle et on tourne le tronc. Je vais regarder le plafond et on revient. On inspire, on souffle. Encore, inspirez. Très bien, on va changer de côté. Donc, on vient mettre le pied gauche, enfin, chez moi c'est pied gauche, chez vous ce sera peut-être l'autre pied, vers l'avant. On inspire et on souffle. Et on vient regarder de nouveau vers le plafond. Et voilà, exercice Vasunaga pour le poumon. Ça va? Vous êtes toujours bon pied, bon œil? Alors, on continue avec le gros intestin. Moi, je sais que vous ne voyez pas complètement, mais c'est pas grave, vous allez bientôt voir. Donc, pour le mouvement du gros intestin, on a les pieds un peu en position de canard, comme ceci. On va fléchir les deux jambes et on va venir mettre d'abord, les mains à plat sur le crâne. Okay?
Bon, je vais reculer parce qu'on va devoir remonter, évidemment. Donc ici, on inspire. On souffle, on va monter, on va se grandir. Vous voyez, regardez, j'ai tourné les mains et je vais monter sur la pointe des pieds. Voilà, on va refaire. Ici, on part comme ça, on inspire. On expire, on tourne les bras et on se grandit. On monte sur la pointe des pieds. Et on étire à fond le corps. Étirez, étirez. Super, on refait. Inspirez. Grandissez-vous. Encore. Tourne. On peut venir s'asseoir ici sur le futon, le tapis, votre petit tapis. Je vais du coup redescendre un petit peu. Bien, alors entre chaque élément, on va simplement respirer, intégrer tous les mouvements que l'on a travaillés. Donc on a bien activé notre poumon, on a fait circuler l'énergie à l'intérieur du méridien. Et notre gros intestin, évidemment, puisqu'ils vont ensemble. Et que pour avoir une bonne immunité, l'intestin doit être aussi à son maximum et l'énergie circuler correctement. Prenez une respiration complète avec les trois niveaux. Inspirez par le nez. Gonflez le ventre. On passe une respiration costelle et pulmonaire. Et on souffle d'abord au niveau de l'abdomen, les côtes et les poumons. Et on respire normalement. Magnifique. Alors, on va continuer avec l'élémentaire qui est aussi bien sollicité parce qu'on est en plus la saison élémentaire. On a besoin aussi de la travailler. Alors, on va commencer avec le fameux Mako de la Terre de Masonaga. Donc, pour celui-là, on vient s'asseoir ici à côté des talons. On va se pencher vers l'arrière. Et si on a la possibilité, donc toujours hein, respecter votre corps, c'est bien important, je le répète toujours, mais c'est vraiment important. Et si on peut, si on veut, on peut s'allonger avec les bras là derrière la tête. Plus.
Et on va venir maintenant, alors activer encore évidemment l'énergie de la terre, donc estomac et rate pancréas. Et pour ça, on va venir soulever, alors on soulève une jambe en restant toujours en contact avec le futon. Et c'est comme si on cherchait à monter un escalier doucement. On soulève le genou. On a toujours le dos du pied au sol et on alterne. Donc toujours bien inspirer. Soufflez. On va alterner pour travailler estomac, rate pancréas. Aujourd'hui, ce sont des mouvements qui demandent un peu plus de travail physique. C'est pas que des mouvements d'étirement. On va venir activer aussi l'énergie. Normalement, on fait 7 fois d'un côté et 7 fois de l'autre. Dans un deuxième temps, je vous propose de refaire, c'est ce que Masunaga propose aussi quand il fait ses exercices, de refaire une deuxième fois le Mako. Vérifiez, soyez attentifs, peut-être que le fait d'avoir activé l'énergie de cette façon vous aide pour assouplir encore un peu plus votre exercice de base. Alors, on va se redresser et on va maintenant travailler plus spécifiquement l'énergie, le méridien de l'estomac. Alors pour ça, on se met debout et on va simplement attraper le pied avec une main et avec l'autre. Évidemment, vous ne voyez pas du tout, j'essaie de reculer un peu, voilà, ici, comme ça. Et avec l'autre main, on va jouer à Superman. Donc c'est peut-être pas pencher aussi fort, là je me penche pour que vous voyez un peu le mouvement, mais simplement venir étirer la cuisse, le quadriceps, et en même temps tendre le bras vers le haut pour activer l'énergie de l'estomac. Et respirez bien. Fais coucou. Et puis on change. On va passer sur l'autre pied. On attrape la cuisse et on se penche un tout petit peu. On étire bien la cuisse. On l'attrape et on l'étire. Et on étire bien le bras devant nous. Ok, on va relâcher les jambes, on secoue un petit peu. Et on va s'asseoir pour travailler le méridien de la rate pancréas. Alors, pour celui-là, je vais me mettre comme ceci. Oh, bien.
Voilà, donc on vient mettre les mains à plat au sol derrière. Et on va essayer de visualiser, d'imaginer, de ressentir l'énergie dans le méridien de la rate. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas spécifiquement ou qui ont oublié, donc l'énergie de la rate, elle passe ici, elle remonte ici, elle repasse ici, tout proche de la poitrine. Okay? Mais ce qui nous occupe surtout, c'est évidemment dans les jambes et puis un petit peu aussi sur le tronc. Et donc, on va essayer de ressentir cette énergie, la faire monter et sentir vraiment le méridien qui se remplit. Rempli de cette énergie. Et pour ça, on va l'aider un petit peu, on va inspirer. Et sur l'expire, on va monter et décoller les fesses pour venir placer les pieds au sol. Donc là, on va chercher à faire monter l'énergie jusque dans le dernier point. On peut relâcher ensuite les fesses sur l'expire, on inspire, on monte le bassin, on le monte, on expire, on inspire et de nouveau, on va remonter encore une fois, un peu plus haut, et on relâche sur l'expire. À votre rythme, à votre raison, n'allez pas trop vite, respectez votre rythme. Laissez monter l'énergie, sentez. Ressentez la montée. Faites monter l'énergie dans les jambes, dans le bassin. Sentez-la sur les côtés. Et redescendez vers la poitrine. De nouveau, j'invite à prendre un moment pour ressentir le travail de la terre à l'intérieur de nous. Faire une respiration de nouveau des trois étages, l'abdomen, les côtes et les poumons. On vide l'abdomen, on vide les côtes et on vide les poumons. Et on respire. Alors, troisième énergie que l'on va travailler ce soir, que j'ai sélectionné pour équilibrer, pour stimuler, c'est l'énergie du feu, du cœur et de l'intestin grêle. Hein, c'est aussi
bien solliciter quand on est plus stressé, angoissé, etc. Alors, on va commencer avec notre fameux macro. On vient placer les deux jambes, les pieds collés, les mains autour des orteils. On va secouer un petit peu les jambes. Et on vient relâcher notre ombre vers l'avant. Bien faire le corps, laisser le poids du corps faire son travail. On peut revenir dans la position. Et on va maintenant passer, toujours en regardant les pieds, les jambes de la même façon, on va passer, vous voyez, passer les bras ici, en dessous des jambes, et on va attraper les pieds. Et dans cette position, on va venir se bercer. Voilà, pour bien relâcher les hanches. Le bassin. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est accentuer un petit peu le mouvement d'ouverture en plaçant vos coudes et en forçant un petit peu sur les cuisses dans la position pour ceux qui ont un peu plus de raideur à ce niveau-là. Donc, c'est toujours un mouvement masse-nagai pour activer l'énergie du feu, du cœur et de l'intestin grêle. On se berce en même temps, ça fait du bien. Et on va relâcher et on va refaire de nouveau notre Mako. Vérifier si en ayant activé de cette façon, on va peut-être ouvrir encore un petit peu plus et avoir acquérir un peu plus de souplesse au niveau des jambes. Donc, vous repartez pour cette respiration. Bien inspirer par le nez, souffler par la bouche toujours. Bien profondément. Très bien. Alors, on va activer les énergies séparément. Donc, on va faire le cœur. Alors, pour le travail du cœur, on va venir se placer dans cette position de lotus ou demi-lotus. Donc, là, encore une fois, vous faites vraiment en fonction de votre Alors, regardez d'abord dans cette position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler sur le dos. Et amener, voilà, amener les jambes un peu comme quand on fait la charrue, mais avec les pieds dans cette position. Essayez de garder les pieds comme ça. Ça va? Allez-y. Mettez, si vous voulez, les mains au niveau des reins pour soutenir un peu le dos. Et on respire. Relâchez bien le haras. Laissez l'énergie faire son travail.
l'énergie du cœur. Travailler au niveau des jambes aussi. Et doucement, on va déposer la colonne sur le tapis et revenir face. Et pour ce mouvement, faut y aller doucement. Si vous sentez que la jambe décolle, ben voilà, essayez de les remettre quand vous êtes couché dans cette position sur le dos. Essayez de les replacer à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est vraiment pour venir travailler, tirer aussi le méridien au niveau des jambes hein, qui passe en arrière, le méridien du cœur, qui est très intéressant. C'est un passage, une partie du méridien cœur qui est très intéressant dans les jambes, qui ancre cette énergie du feu qui a parfois tendance à partir un peu partout. Alors, pour le deuxième méridien intestin grêle, on va venir toujours dans cette même position. Et je vous montre, on va venir chercher, voilà, les mains dans le dos. On va essayer d'accrocher les mains dans le dos. Si vous n'arrivez pas à toucher les deux mains, les doigts des deux mains, vous pouvez prendre un petit essuie, quelque chose qui vous permet de faire un raccord, un relais entre vos mains. Voilà. Et on va inspirer et expirer. On va relâcher les bras et on va changer le croisement des jambes. Donc la jambe qui était à l'avant passe à l'arrière. Et on va inverser aussi le croisement des bras. Donc vous venez attraper vos deux mains et vous changez. Évidemment, il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Donc peut-être que de ce côté-là, vous allez y arriver alors que l'autre côté c'était plus compliqué. Mais sinon, il y a toujours l'option petit estui à attraper pour travailler quand même si la posture est difficile. Et vous pouvez relâcher aussi bien les jambes que les bras. Et de nouveau, comme on a travaillé toutes ces énergies du feu, essayons, soyons à l'écoute de ce que ce travail a provoqué à l'intérieur de nous par rapport aux éléments précédents. Dans quel état est-ce que vous êtes là maintenant? Par rapport à l'énergie qui précédait, qui était celle de la Terre, par exemple. Il y avait une sorte d'apaisement ici, sentez peut-être que l'énergie est plus pétillante, plus picotante, un peu plus à l'extérieur comme le feu peut l'être. Sentez ici, il y a un ressenti de circulation d'énergie partout dans le corps. Il y a un
Encore une fois, on va faire notre respiration des trois étages. On inspire dans le ventre. On fait passer cette respiration au niveau des côtes et dans les poumons. Et on expire par le ventre, dans les côtes et dans les poumons. Très bien. On va maintenant poursuivre et terminer avec l'énergie de l'eau. Là aussi, c'est une énergie importante pour le travail, en tout cas pour l'époque et la situation actuelle. Donc, pour l'eau, vous connaissez le mako déjà. On a les jambes bien allongées, bien plaquées au sol. On va monter les bras au-dessus de la tête. On va bien étirer le corps. Et on va descendre vers l'avant en allant chercher les talons, les pieds, comme vous voulez. En relâchant bien le corps vers l'avant. Se redresser et nous allons toujours en activant énergie de l'eau, on va attraper les deux pieds comme ceci et on va avancer. Donc c'est comme si on cherchait à marcher avec les jambes. On avance vers l'avant pour bien décoller à chaque fois la hanche. Et l'autre côté. Super. Et puis on va reculer. Toujours en attrapant le pied. Alors ici on active bien l'énergie des reins, de la vessie. Et encore une fois. On avance et on recule. Ok, magnifique. On va relâcher. Ouh, on peut détendre un petit peu, secouer les jambes. Et on va passer maintenant plus spécifiquement à l'énergie de la vessie. Alors vous allez voir, c'est un peu le même mouvement, mais dans une position différente. Donc on va garder le tronc, enfin ici le thorax bien collé aux cuisses. Et on va encercler nos deux cuisses à l'arrière et on va chercher à descendre en restant toujours bien en contact du tronc avec les cuisses. D'accord? Donc cherchez à garder ce contact et aller au maximum de ce que vous pouvez en vous étirant vers l'avant. Pas forcer s'il n'y a pas besoin d'avoir les crues popliquées sur... Sur vos futons, sauf si vous êtes vraiment hyper souple, mais on garde ce contact, on respire. Et on vient vraiment activer l'énergie de la vessie, principalement.
peut se redresser. Ouh. On va secouer un petit peu, faire des mouvements de rotation avec les jambes. Tirer et contracter, pointer et ramener les pieds. Et on va terminer avec méridien du rein. Alors là, c'est un exercice, encore un exercice, qui ressemble encore à un exercice de yoga. C'est la fameuse charrue, justement. Donc vous allez venir mettre vos deux pieds, enfin vos deux genoux de chaque côté ici de votre visage. Alors contrairement au mouvement de yoga où normalement il faut avoir les jambes bien tendues, ici on va simplement vraiment relâcher les jambes. Il n'y a pas besoin de les tendre. Vous pouvez placer les pieds, pardon, les mains et les bras au sol. Et si les pieds touchent, c'est parfait, sinon vous restez là où vous le sentez, mais relâchez bien. Et c'est vraiment de nouveau le corps faire son travail, ne rien forcer. Le poids du corps qui va créer l'étirement. On respire. Et sentez l'activité dans le bas du dos. Doucement, vous allez entamer la descente du dos. Vous allez rouler doucement, vertèbre par vertèbre, pour venir plaquer le dos sur votre tapis. Ramenez les jambes, les pieds au sol. On va terminer allongé complètement. Si vous sentez que ça tire trop dans le bas du dos, vous pouvez placer vos pieds sur le sol. Et relâchez complètement le corps. Ressentez encore une fois tous ces mouvements énergétiques ont créé dans votre corps. Chez moi, ça gargouille beaucoup au niveau du ventre. On a libéré des énergies un peu stagnante, bloquée. Relâchez complètement le corps. Et encore une fois, vous pouvez venir faire votre respiration à trois niveaux. On inspire par le ventre. On passe au niveau des côtes. Et puis les poumons. Et on souffle par le ventre. On ramène la côte. Quand vous le sentez, vous pouvez venir rouler sur le côté et vous remettre assis. Assise. On a fait le tour, bon, que je voulais travailler avec vous.
Voilà, donc un petit peu plus complet que les macos, parce qu'on insère les macos dans les mouvements, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, si vous voulez, je vous montre le livre où sont tirés tous ces mouvements. C'est le Zen exercice visualisé de Masunaga. Voilà, c'est un exercice, c'est un bouquin sur lequel on va travailler, c'est bien en troisième année dans mon école. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'est un peu différent des macos, d'avoir élargi tout ça. Je pense qu'on va prévoir une autre séance, soit demain matin, soit jeudi matin, à voir. Ben voilà, en tout cas, merci encore beaucoup à vous d'avoir été présent. Je vous salue. Namaste. Je vous remercie. J'espère qu'on se voit très prochainement par vidéo et en vrai encore plus rapidement, j'espère. À bientôt. Passez une bonne soirée.